nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, bienvenue à vous qui peut-être êtes encore de passage en cette fin d'été. Nous nous réjouissons de nous retrouver pour recevoir la parole de Dieu et écouter cette parole et recevoir aussi le corps du Christ, le corps qui nous nourrit tant. Frères et sœurs, nous entrons dans cette messe en reconnaissant ensemble notre besoin d'être purifiés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous.
Dieu avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Et tout d'abord, vous exprimer ma joie de vous revoir chacun personnellement après ces quelques semaines de vacances en famille. Et nous nous retrouvons ensemble devant cette parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu trésore pour nous chrétiens. Cette parole de Dieu, elle est efficace. Elle nous donne quelque chose à vivre dans la semaine. La parole de Dieu, aujourd'hui, c'est ce dialogue entre Jésus et les pharisiens à l'occasion de ces traditions. Les Juifs, nous savons, étaient très attachés, bien sûr, à la loi, et c'était très bien. Ils étaient aussi attachés à un certain nombre de commandements, de règles, de traditions. Et nous savons que les traditions sont nécessaires pour nous permettre de vivre en société. Les règles de politesse nous permettent sans cesse de réharmoniser nos relations personnelles. Nous savons aussi qu'un certain nombre de traditions sont bonnes pour honorer notre Dieu, pour lui rendre un culte. La messe, par exemple, a été formée à travers les paroles du Christ il y a 20 siècles, et ensuite, pas à pas, à travers les siècles, elle est donnée la liturgie ou les liturgies que nous connaissons. Mais voilà que Jésus va pointer aujourd'hui un aspect très important qui est au fond le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, il dit ceci, comme il l'a dit il y a 20 siècles, « Attention, certes, c'est très bien de respecter les traditions, mais attention à notre cœur profond, car c'est dans notre cœur que peuvent se produire, se fabriquer toutes sortes de péchés dont nous avons eu la liste. » Donc le Seigneur nous appelle non pas à balayer les traditions, à balayer les éducations reçues, mais il nous invite à cette vigilance de ce que nous pouvons produire. Nous l'avons entendu, cette production se traduit par toutes sortes de mots, adultère, cupidité, fraude, diffamation, orgueil et démesure. Alors la parole de Dieu en ce dimanche nous révèle une magnifique clé au fond, une des clés pour nous permettre non pas de sortir ce qu'il y a de mauvais en nous, mais de sortir le meilleur. Et vous l'avez entendu, au fond, la lecture d'aujourd'hui est une clé qui est la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est créatrice. Dans la lettre de Saint Jacques, l'apôtre nous rappelle que c'est la parole de Dieu qui va sauver notre âme. Le Seigneur a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Et Saint Jacques nous invite à accueillir dans la douceur la parole semée en vous. Et c'est pour ça que Saint Jacques commence en disant « Mais ce sont les présents, les meilleurs, les dons parfaits qui proviennent d'en haut. » Oui, frères et sœurs, notre trésor de chrétien, c'est la parole. Et c'est d'abord la parole de Dieu. Regardez comment va produire en vous telle ou telle parole. Par exemple, je prends celle-ci qui est tirée de Jérémie. Écoutez profondément ce que crée cette parole dans votre âme. Le prophète qui dit « Tu n'étais pas encore formé dans le sein de ta mère que je te connaissais. » Parole de Dieu, parole magnifique qui nous rappelle ce lien intime entre le Dieu vivant et chacun de nous. La parole de Dieu est ainsi une parole de vie et nous sommes invités, vous voyez, à la digérer pour en vivre et pour la redonner. Il y a la parole de Dieu et puis il y a aussi notre parole. Vous savez, nous avons également par notre parole humaine, une grande capacité de faire grandir notre prochain. Comme aussi une capacité de souiller l'autre, nous l'avons entendu dans l'Évangile, et de se souiller soi-même. Alors aujourd'hui peut-être, puisque nous sommes pas de ce trésor qui est la parole de Dieu, eh bien, formons notre parole personnelle à cette parole de Dieu. Et devenons et développons cette
capacité créatrice. La parole, une belle parole, elle grandit, elle fait du bien. Hier, il y avait un mariage de Pauline et Mathieu. Je suis allé voir les maîtresses de maison en leur disant, mais comme vous êtes belles, je me disais, c'est très anodin, peut-être que tout le monde a dit ça aux maîtresses de maison, et j'ai vu comment ces paroles faisaient tout simplement du bien aux mères qui mariaient leurs enfants. Paroles qui créent, paroles toutes simples, paroles qui soulignent le positif. Alors, en cette rentrée, un petit passage personnel, comme vous le savez, le Père Jean-Michel est nommé, donc je vais juste à côté, et c'est vraiment une belle étape dans sa vie. Vous verrez le petit éditorial que j'ai fait à ce sujet. Il sera installé dimanche prochain par Mgr Rivière, et nous l'accompagnons dans toute notre prière. Vous savez aussi que, malheureusement, avec des vocations insuffisantes, actuellement dans l'Église, il ne peut pas être remplacé. C'est dommage. Et nous aurons donc besoin, le Père Gabriel et moi-même, sachant que le Père Charpie aussi a cessé ses activités pastorales suite à son état de santé, nous aurons, le Père Gabriel et moi-même, de paroles positives, de paroles bienveillantes, de paroles qui nous feront du bien. N'hésitez pas, ne vous précipitez pas forcément à cette dernière, mais voilà. Nous serons aussi demandeurs d'avoir des paroles encourageantes, comme déjà beaucoup parmi vous savent en faire. Mais voilà, nous sommes, je le dis très simplement, assez vulnérables. Alors, pour expérimenter ô combien des paroles de reconnaissance, des paroles de gratitude en ce début d'année, combien ces paroles font du bien, je propose de faire un petit exercice, parce que je pense que le mélier était déjà un peu long et vous êtes en train de vous endormir. On va faire un tout petit exercice. Vous allez tout simplement vous tourner vers votre voisin et lui dire, voilà, ce que j'aime chez toi, c'est cela. Ce que j'aime chez toi, c'est cela. Et vous verrez comme cela fait du bien à chacun. Je vais vous prendre un petit temps pour la réflexion et puis je vous invite à vous lancer sans inquiétude. Aimé de la Vierge Marie,
Seigneur très bon, notre prière pour nous-mêmes, pour notre voisin et pour tous les hommes. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.